Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir un petit deck. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Pareil pour le best-of, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Juste que c'est parce qu'en fait j'étais en train de faire un truc. C'était un petit truc à la con que vous verrez dans la vidéo ce que c'est. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça dure 2 secondes et quelques, hein. 2 secondes et quelques, et pourtant ça m'a pris, allez, une cinquantaine d'heures pour le faire. Non mais tu vois le délire un petit peu, ça c'est l'informatique, ça c'est super chiant. Non, c'est pas chiant, j'aime bien, mais c'est long. voilà, donc du coup, j'ai fait un petit deck. Voilà, donc en fait j'avais fait le truc que je vous ai dit, le machin que j'avais fait, c'était pour un autre deck. Seulement moi, vu que ça a traîné, eh ben il faut bien que je supprime les vidéos quoi, parce que j'ai pas une place illimitée non plus sur mon disque dur, tu vois, j'ai juste 2 Tera en tout. Moins, on va dire il me reste 1 Tera en tout, parce qu'il y a d'autres fichiers aussi, d'autres jeux, machin, enfin bon. Donc il me reste 1 Tera sur le machin et les vidéos, hop là, ça prend de la place, hein. Donc j'ai dû supprimer et comme un con, bah, j'ai supprimé le deck qu'il fallait, donc du coup bah, un deck en moins, c'est pas très grave. Voilà, donc après cette intro un peu long, j'en suis désolé, on va voir un peu les troupes. Donc j'ai mis du géant. Alors à la base j'avais pas du géant. À la base j'avais un petit molosse de lave. Je me suis dit, ouais bon, c'est vrai que c'est un peu con de mettre un molosse de lave étant donné que presque personne ne l'a. Ouais, je me suis dit c'est un peu bête quand même, hein. Donc du coup je me suis dit, bah tiens, on va mettre le géant, c'est ce qui rapproche le plus du molosse de lave. Donc du coup on a mis un géant, on a mis une archer, enfin on a mis un géant, des archers, des gobelins à lance. Bon après vous savez ce que c'est. Alors j'ai mis le géant parce que il tank, voilà, c'est un géant, ça tank, tout le monde le sait, hein. Ça tank, ça a beaucoup de vie, donc c'est plutôt pratique. Après j'ai mis les archers parce qu'elles tirent en l'air et elles tirent au sol, et elles sont plutôt résistantes, donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, après j'ai mis gobelin lance parce que ça coûte pas cher. Et puis voilà, c'est des petites troupes de masse, c'est plutôt pratique, ça tire en plus dans les airs, donc c'est magnifique. Alors lui qui est dans les airs, donc du coup c'est parfait. Au moins il est là, il survole et tout, hop là, s'il y a des barbares c'est nickel. Enfin bon, tu m'as compris quoi, c'est plutôt pas mal pour attaquer d'aérien, notamment pour les ballons. Le bombardier qui lui, t'as des barbares en face, mais les barbares ils explosent, boum, c'est l'attentat, tu sais. Et après j'ai mis un petit miroir. Alors j'avoue que c'est pas tout le monde qui a le miroir, mais pourquoi j'ai mis un miroir? Parce que je viens de le débloquer, ça fait plaisir, j'avais envie de faire un deck avec, j'avais envie de faire un deck avec, voilà, donc après j'ai mis le petit sort de rage qui coûte pas cher et qui envoie la patate quand il y a beaucoup de troupes, eh ouais c'est moi qui te le dis, et après petite flèche pour défendre des hordes de gargouilles, des trucs comme ça, et puis voilà, donc une petite intro un peu long. Mais il faut descriptionner un petit peu le deck, voilà, donc un deck un peu instable, notamment si la personne en face, à des boules de feu, à des sorts par exemple, comme le zap, le sort de foudre, ou même des flèches. Imagine le mec, il a des flèches en face, et ben t'es. Tu sais plus où te mettre quoi. Tu te dis, bon, bah je crois que je vais creuser là. Ouais, bon, voilà. Bon, en attendant, on a vu un petit peu ce que ça donne au niveau du deck. Maintenant, on va se faire une petite attaque ensemble, et après, je ferai 3 attaques que je mettrai en description. Et j'ai du mal à parler, c'est un truc de ouf. Voilà, donc je mettrai 3 attaques en description, et puis voilà, donc c'est parti, hop, on va faire une petite attaque ensemble. Ouais, c'est parti les gars. Alors pourquoi j'ai fait une petite coupure? Bah tout simplement parce que l'attaque d'avant était vraiment, enfin, j'ai même pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Bon, il a pris qu'une seule tour, hein, mais oh, c'était nul, mais ça recommence, hein. T'as vu, on a même pas encore le géant on va l'avoir en dernier, voilà, ça sert à rien ça, c'est pourquoi. Bon, c'était pas le problème de la dernière fois, mais j'ai attaqué vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Non mais clairement, comment t'as fait pour avoir deux? Ah mais t'as en plus avec le sort de... Ah ouais, t'es ouf comme ça, toi t'es comme ça. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Bon, on va jouer mon petit, on va jouer. Tu sais pourquoi on va jouer? Parce que regarde ce que je vais faire. Non mais tu vois, vous allez voir, vous allez halluciner. Donc on met le petit géant ici. Et attendez, c'est pas fini. Et non, c'est pas fini, comme dans la pub, c'est pas fini. Alors il met un max de machin. Y'a pas de souci, gros, qu'est-ce que tu vas faire gros? Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde-moi ça, on va mettre le petit, je sais même plus comment ça s'appelle, sort de rage. Alors qu'est-ce que tu vas faire gros? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, moi je comprends pas, là je vois pas qu'est-ce que tu peux faire sur le délire. Allez, allez, détruisez-moi ça. Allez, allez, allez. Ça fait plaisir. Oh là là, mais déjà c'est une meilleure attaque là, tu vois, là j'ai bien attaqué. Tout à l'heure, mais j'ai attaqué, mais comme... J'ai même pas envie de te dire comme quoi j'ai attaqué, parce que tu vas pleurer. Non, franchement, j'ai vraiment attaqué n'importe comment. Faut dire aussi, il est dépeint. Hein. Ah oui, il est dépeint, le mec. Hein. Le mec, il était pas là à essayer de m'aider, à se dire, bon, allez, je vais l'aider à attaquer bien comme il faut. Non, lui,
mais départ, mais non. Hein, aucune pitié, le monsieur, hein, aucune pitié. bon, tu penses bien, le mec va pas se dire ouais, tiens, je te sers la victoire sur un plateau. T'imagines le mec et tout. Bon, il y en a, ils font ça, mais c'est pour descendre de trophées, tu vois. C'est pas parce qu'ils t'aiment bien, toi, c'est parce qu'ils veulent descendre de trophées et tout. Alors, pour l'instant, je vais pas mettre le géant. On va encore une fois attendre et on va refaire la même attaque. Et on va essayer de prendre le 3 étoiles. Alors là, mon gars, mais comment t'as trop bien fait. Mais comment t'as trop bien fait de faire ça, mon petit. Parce que ce que je vais te faire, c'est chiant. C'est chiant ce que tu fais là. Non mais gros, mais arrête. Je suis en train d'essayer d'attaquer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah tu attaques. Mais moi, je peux pas attaquer en même temps que je défends. Enfin, c'est limite quoi. Je peux pas attaquer comme je veux en même temps que je défends. Voilà, c'est dit différemment et c'est déjà un peu mieux. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Je suis en train de me faire défoncer, les gars. Oh, allez, allez, allez. Yes. Oui. Yes, we did it. Yes, we did it. Maximum de dégâts. Ça a servi à rien. Ouais, si, un petit peu. Ça va. On fait des dégâts. C'est déjà ça. Pas très grave, on fait ça. Voilà, pas très grave, on fait ça. C'est chaud, là. C'est chaud, là. Je sens qu'on va se faire dé... Tu m'as compris, quoi. Tu m'as compris. Voilà, on va envoyer ça. On va envoyer ça. Allez, s'il vous plaît, maximum de dégâts. Allez, allez, j'ai envie de gagner. Non, me défonce pas ma tour, s'il te plaît. Il va me défoncer ma tour, les gars. Oh, je vais me faire humilier. Je vais me faire humilier. Non, comment on fait? Comment on fait? Aidez-moi, je sais pas. Mon cerveau chauffe. À l'aide. Oh, il a pas touché ma tour. Respect à ce monsieur qui a pas touché ma tour en lançant. Il aurait pu très bien le faire, il l'a pas fait. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que c'est rare, les gens comme ça. Généralement, les gens, ils en profitent, tu vois. Et là, non, rien du tout. Et ça fait plaisir. Voilà. Bon, pour l'instant, on va se taper une égalité, je sens. Or, ce deck, mais vraiment, je vous le conseille pas. À part si vous arrivez à le manier, mais moi, personnellement, là, je sais pas. Ah, là, par contre, au respect, le respect, quoi. Oh, il est passé où, le respect? T'avais du respect, puis d'un coup, plus rien. Ça a disparu. Ça fait zou, salut. Moi, je me casse. Il est parti où, le respect, mon petit? Bon, en attendant, bon, moi, j'ai envie de dire, tu sais pas attaquer, hein. Oh, je me suis fail. Oh, merde, j'aurais pu renvoyer des flèches. Bon, c'est pas très grave. Égalité. Ouais, carrément, super combat. Et surtout, super stressant, mon petit. J'ai cru que j'allais me pisser dessus. Ah, désolé de la vulgarité, mais bon, c'est vrai, quoi. C'est chaud patate, là. Et franchement, je sais pas si c'est la personne en face qui est bon. Hein. Bon, il m'a l'air un peu... bon. Il a l'air d'être pas encore assez pratiquant du jeu. Non, mais ouais, je sais pas, mais c'est vrai que ce deck est assez compliqué à manier, hein. Franchement, le mec en plus en face qui gère quand même plutôt bien, hein, surtout avec ses extracteurs d'élixir là, waouh. Enfin bon, enfin je crois qu'il en a un, hein. Je sais même plus, tiens, d'ailleurs, non, mais toi, je perds la boule, bon, voilà, donc du coup, eh ben, ce deck est assez, oh, voilà quoi, hein. Ouais, j'ai même envie de mettre ça. Regardez, non, mais attends, regardez ce que je vous ai fait, ce que je vous disais là tout à l'heure. Regardez ce que c'est. Non, je vais vous montrer. Regarde, je vais claquer des doigts et tu vas voir ce qui va apparaître à l'écran. Ouais, bon, ça m'a pris une cinquantaine d'heures. Ah ouais, non, mais tu vas voir comme c'est nul. Hein. Voilà, bon, voilà. Bon, après, bon, je dis ça, je dis rien. Non, mais voilà, mais bon. Ah, voilà, une cinquantaine d'heures. Hein. Cinquantaine d'heures. Ah ouais, pour détourer 60 images, mon gars, ça me prend une cinquantaine d'heures. Et ouais, non, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Ah, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu l'as acheté. D'accord. Mais il est fou, lui, il est fou. Il a acheté G Giant. Non, mais attends. Non, parce que, personnellement, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je l'ai déjà sur World at War et j'ai déjà sur Black Ops 1. Bon, je vais pas le racheter une troisième fois sur Black Ops 3, c'est complètement con. Voilà, donc, voilà, c'est juste comme ça, juste comme ça. Bon, voilà, donc, du coup, et en plus, je peux même plus jouer à ma console parce que j'ai cassé ma manette. Bon, alors, du coup, j'adore faire ça. Bon, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, par rapport au deck, franchement, on va voir. Je vais voir dans les trois attaques que je vais faire. Enfin, dans les quelques attaques que je vais faire. Donc, je vais en choisir trois. Je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que c'est moyen. T'as de la défense. T'as un petit peu d'attaque. Mais c'est limite. Je sais pas. C'est à voir. C'est vraiment à voir. Mais avec le double géant, si tu le manies bien, ça peut le faire. Surtout si t'arrives à mettre des troupes derrière, bim, t'as tout cassé. Avec en plus le sort de rage, bim, allez, paf. Tu penses que si on met deux sorts de rage en même temps, ça le fait? Là, je sais pas. Hein. Bon, en attendant, je vais vous laisser sur ce. Oula. Je vais vous laisser sur ce. Non, je suis un peu fatigué, ne jugez pas. Voilà, donc je vais vous laisser sur ce. Et puis attention. J'adore faire ça, j'adore. Voilà, donc,
Je vais vous laisser sur ce, puis voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas les attaques, si vous avez le temps, bien entendu, hein, voilà. Si vous avez le temps, n'oubliez pas les attaques en description, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le deck. Et puis voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.